La raison pour laquelle je fais ce que je fais a deux volets. C'est principalement parce que Dieu a transformé ma vie. C'est similaire à l'homme à qui le Seigneur a dit « Ne raconte à personne ce qui vient d'arriver à ta fille. » Mais il n'est pas parvenu à garder le silence. Lorsque Dieu vous touche, vous avez besoin de le dire à quelqu'un. Vous avez cette bonne nouvelle que vous voulez partager. Mais au-delà de ça, je crois que Dieu a un appel spécifique sur ma vie. Dieu m'a encouragé des milliers de fois. Et le 4 novembre 2014, il m'a réveillé à 3 heures du matin pour me dire « Voilà la raison pour laquelle je t'envoie. C'est pour changer l'opinion que les gens ont de moi. Et alors que l'opinion qu'ils ont de moi change, ils iront changer leur monde en retour. » Nos partenaires ont un rôle essentiel dans tout ce que nous faisons. 53% des gens qui nous écrivent ou nous contactent ne donnent rien. Et nous leur envoyons quand même les ressources qu'ils demandent. Et la raison pour laquelle je donne mes enseignements, c'est parce qu'au début de notre ministère, nous étions à Seagoville, au Texas, où nous étions les pasteurs d'une petite église, et j'ai fait une promesse. Dieu, si tu me montres quelque chose qui puisse changer la vie d'une autre personne, je ne leur y refuserai jamais l'accès à cause d'une question financière. Le retour principal que j'obtiens des gens qui contactent notre ministère est qu'ils voient Dieu d'une manière totalement différente de ce qu'ils ont expérimenté auparavant. Et cela leur a permis de répondre à Dieu. La raison derrière nos universités bibliques Charis est 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, où Paul dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce passage m'a donné l'impulsion pour commencer notre école biblique Charis, qui est un moyen d'accomplir ces versets. Charis nous permet d'aller plus profondément avec les gens que ce que nous pouvons faire au travers de la télévision, des livres, des CD ou ce genre de choses. Ce que nous voulons, c'est faire des disciples. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous avons des gens sur tous les continents qui touchent les populations locales. Et à travers eux, notre impact est plus grand que ce que nous n'aurions jamais pu avoir seuls.